Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le mercredi 19 juillet 1899. L'affaire Dreyfus a eu des contretemps très inattendus. Elle a par exemple déclassé ou coupé en deux les partis, comme on a pu le voir ces jours-ci avec le Parti socialiste. De son côté, le Parlement s'est coupé en deux, ou en quatre, entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, entre parlementaires ou nationalistes, et ces nationalistes-là, voulant rester sur le terrain républicain, ont été amenés eux aussi à une formule nouvelle. Ils se sont déclarés plébiscitaires, mais plébiscitaires républicains en opposition aux républicains parlementaires. Les affaires du Transvaal ont un peu détourné l'attention d'un événement qui s'est accompli ces derniers temps en Australie et qui a cependant une grande importance. Malgré la perte de son régime fiscal particulier, la Nouvelle-Galles du Sud a reconnu les bienfaits d'une unité avec les autres colonies. Et ses électeurs ont voté la Constitution fédérale de l'Australie. Pourtant, si l'on envisage l'avenir, il n'est nullement interdit de penser que la formation des grandes agglomérations coloniales ne fera que hâter l'inévitable démembrement qui portera un jour, selon toute vraisemblance, à la puissance de la Grande-Bretagne, un coup dont il lui sera difficile de se relever. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain.